La radio du salon de la radio. Interview. Interview. Nous sommes avec celui qu'on ne présente plus, David Tartar de Real World. Alors bonjour. Justement, je dis ça en plaisantant, on a peut-être un petit peu trop tendance, des fois maintenant, à se dire, c'est bon, David Tartar, on sait qui c'est, Real World, on sait qui c'est, on va passer directement, entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quand même ce que c'est Real World ? Real World, c'est une société de jingles. Mmh. On produit des jingles partout dans le monde. Donc à la base, c'est un studio qui a été créé aux États-Unis à Seattle. Ouais. Donc en 1994, qui est devenu leader du jingle aux États-Unis. Et on a démarré l'activité en France il y a un moment maintenant, mais avec un vrai bureau basé à Manchester il y a 4 ans. Donc j'ai démarré l'activité avec eux en même temps, et donc voilà. Moi je m'occupe de la France. Ils sont arrivés en Europe, voilà. Ils sont basés à Manchester. Ouais. Et donc leur déclination. Alors comment ça se passe ? C'est Real World qui vient te chercher ? C'est Real World qui est venu me chercher il y a quelques années. Je travaillais chez un studio concurrent à l'époque. Donc ça s'est arrêté. Et puis bon, moi j'étais libre. Donc j'ai eu plusieurs propositions. Et Real World m'a demandé de les rejoindre dans cette aventure jingle. Comment ça fonctionne Real World ? Parce que bon, beaucoup connaissent, mais il y a un système de fonctionnement un peu particulier, puisqu'il y a une déclinaison en fait d'habillage existant, et notamment d'habillage qui existe aux États-Unis, ouais. Et qui arrive chez nous en France. Bah, aux États-Unis à la base, mais on a une équipe européenne qui est complètement indépendante maintenant, parce que depuis 4 ans, on a créé une équipe avec des compositeurs, avec des producteurs qui sont complètement indépendants des États-Unis. On a nos packages avec notre son qui est un peu différent. C'est une façon un peu différente de travailler par rapport aux États-Unis, qui est un peu similaire, mais dans le son, c'est malgré tout un peu différent. On est tous, comment dirais-je, vous travaillez tous ensemble ? On travaille ensemble, mais avec une sonorité différente malgré tout. Alors, ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qui justifie cette sonorité différente ? C'est que ce ne sont pas les mêmes personnes tout simplement ? Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe, un son plus adapté à l'Europe, aux États-Unis, culturellement parlant ? En fait, avec le temps, les États-Unis sont devenus un petit peu moins exigeants. L'Europe, les radios européennes, notamment en France, sont bien plus exigeantes que ah les ouais radios aux États-Unis. Ouais. On croirait pas ça. Ouais, mais pourtant, avec le temps, on s'aperçoit à force. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et donc du coup, finalement, on trouve donc cette exigence, vous avez plus de pression finalement sur les épaules, ouais. En tout cas une plus grande exigence de qualité, vous, ici en Europe. Vous travaillez donc à Manchester, toi qui es dans le sud de la France, ouais. Vous travaillez main dans la main, vous refilez ouais les bases, vous... Non, toutes les bases sont composées par des producteurs. On a des producteurs qui travaillent un petit peu dans différents pays. On a d'accord, notamment ouais des gens qui sont en Hollande, en Autriche. Et puis bah voilà, moi je fais des briefings avec les radios françaises. Ouais. Une fois que j'ai le briefing, ça part chez Real World à Manchester. C'est dispatché, et puis en fonction du style des jingles qu'on nous demande, ça va être un peu plus CHR. Enfin, on a différents producteurs et compositeurs qui travaillent sur les jingles. Ouais. En dehors de la France et l'Angleterre, ouais, est-ce que ici en Europe, Real World travaille avec d'autres pays européens ? Real World travaille avec sur l'Allemagne, sur la Belgique. Là, on a démarré on commence un peu l'Italie. Mmh. Moi-même, je commence à explorer un peu le Canada. Ouais. Canada, le Québec. Le Canada ne passe pas par le Real World américain et passe par le Real World européen. Alors c'est un peu, enfin, étant donné que le Canada, moi, je m'occupe de la partie francophone du Canada, donc ouais, Montréal et Québec. D'accord, ouais, Québec, ouais. Je m'occupe de cette partie-là, et après ça passe par Real World États-Unis, parce d'accord que dans la façon de mixer le son, culturellement parlant, culturellement, oui, c'est un peu plus proche au niveau du son du son américain que du son européen. Donc là, c'est un peu particulier. Ouais. C'est un petit peu la France des États-Unis d'Amérique. Exactement, ouais. Bon, ok. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Real World, l'actualité, notamment pour ce qui nous concerne en France, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est tout nouveau chez Real World ? Là, on a fait un... Alors, les nouveaux packages, on a eu pas mal d'activités à la fin de l'année 2016. Ouais. On a fait par exemple Fréquence Plus, oui. On a fait Radio Scoop mmh. en custom, c'est-à-dire c'est une créa, c'est une créa à 100% créa. Pour Radio Scoop. Pour Radio Scoop. Voilà, j'ai amené quelques exemples de. On peut peut-être écouter, ouais, Ludo, un jingle Radio Scoop. Voilà. Alors. Ludo vient de me dire dans le casque, ça démonte.
Ça démonte. Un beau compliment. C'est un beau compliment. C'est très bien. C'est vrai. Ouais, voilà. Ça, c'est un custom, c'est-à-dire qu'en fait, on donc a. Ça, c'est créé, on les entendra nulle part ailleurs. C'est uniquement pour Radioscope. Non, alors un custom, ça ne veut pas dire qu'on les entendra nulle part ailleurs. En général, quand tu fais un custom pour une radio, je lui donne une exclusivité sur sa zone de diffusion. D'accord. Et pendant un an sur le territoire. C'est-à-dire qu'on n'entend pas ces jingles. Mais dans un France. An, potentiellement, voilà, d'autres dans, peuvent dire. Dans j'aime un an, une radio peut dire j'aime ces jingles, je peux les avoir. Du moment que ce n'est pas sur la même zone de diff. Après, on peut le faire partout en Europe, sur d'autres pays, par exemple. Il y a des pays européens qui ont des jingles, des déclinaisons de jingles créées à l'origine en France, actuellement. Créées, pardon ? Créées à l'origine pour la France. Oui, ouais. Alors même pas européens, même aux États-Unis. Il y a des radios qui sont inspirées de nos jingles, bah, notamment de Radio Scoop. On avait fait une créa pour Radio Scoop il y a 2 ans, et une radio américaine, KTU, New York. Qui a repris presque toutes les bases qu'on avait fait pour la France. C'est plutôt gratifiant parce qu'il y a quelques années, c'était plutôt l'inverse. On allait chercher des bases américaines. Tremblay, américain, nous voilà, nous arrivons. Enfin, on aura mis le temps, mais on arrive. Et donc, on prenait souvent les radios françaises copiaient les Américains. Et là, on a été. Ils nous ont pris les bases et ils ont fait des jingles pour les. Pour alors, les qui fait les malins maintenant hein. Ouais. Bon, Real World, donc d'accord, Radio Scoop. Bon, tu œuvres évidemment et vous êtes habitué à œuvrer dans tous les domaines, dans tous les styles, sur tous les formats de radio. Ouais. Un des formats les plus demandés. Ah, ça reste quand même le format CHR. Ouais, ouais. C'est le grand classique. Ouais, ouais. On a un exemple de CHR là. CHR Fréquence Plus, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année, ouais. Bon, c'est en passe de devenir maintenant une sorte de tradition. C'est le commentaire de Ludo, qui est à l'arrêt. Hein, Ludo, c'est lui qui réalise toutes les émissions sur la radio. Cette fois-ci, dans le casque, il me dit ça me fait chanter. Moi, je l'entends pas. Et c'est vrai qu'il chantait, non ? C'est juste énorme, voilà. Il dit que c'est juste énorme. Quoi, c'est un fan, en tout cas. C'est très bien, ce garçon. Voilà, bon. Ceci étant, plus sérieusement, donc ça, c'est du Real World également. Ouais. Et ça, alors, quand une radio arrive et te demande ce type de format, toi, déjà, ça fait-il dans la tête ? T'as déjà une idée, tu sais que ça va être conçu comme ça, conçu un peu comme ça. Oui, en fait, après quelques minutes de discussion et quand le directeur des programmes me dit voilà un peu notre univers, voilà ce qu'on aime, voilà notre ADN, voilà la musique qu'on passe, je commence à analyser un peu ce que je peux proposer. Suivant le budget, quand on ne peut pas faire une créa comme Radio Scoop par exemple, on va prendre ce qu'on appelle un rising, donc une radio quelque part dans le monde, en Europe ou. Va avoir ses jingles et donc je vais proposer des formats qui vont correspondre à ce que me dit la radio. Alors voilà, effectivement, c'était la question que j'allais justement te poser. Qui choisit, est-ce que c'est la radio qui va choisir, qui arrive, qui dit moi je veux cet habillage-là que j'ai entendu, que j'adore. Ouais. Ou est-ce que voilà, vous êtes vraiment force de proposition, de conseil ? Je propose, après oui, c'est en fonction de ce que j'entends et ce que la radio a un peu dans la tête, je vais faire une proposition de. 5-6 packages existants et après la radio va faire son choix. Est-ce qu'il est possible et envisageable qu'une radio pioche dans plusieurs packages ? Ça arrive. Ça arrive, ouais. Ouais, ouais. Et j'en prends un petit peu là. Ouais, je ça arrive. C'est arrivé pour une radio que j'ai fait qui est dans l'est de la France qui s'appelle Azure FM avait plusieurs demandes et on a tapé dans deux packages exactement. D'accord. Ouais. Ok. On va maintenant passer à une radio du sud de la France qui s'appelle Maritima. Alors on va écouter un exemple de jingle juste avant. Est-ce qu'on peut rappeler déjà le format de Maritima ? Maritima, c'est un format Hot AC, c'est-à-dire que là on n'est pas aussi ça tape pas aussi fort que du CHR avec des effets de partout. Ils ont voulu garder des voix naturelles. Ils ont voulu une ligne un peu plus mélodieuse, moins de break dans les voix. Donc du coup on a fait un package qui est basé sur une radio existante en Angleterre qui s'appelle Art. D'accord. Qui est une des radios adultes qui commence vraiment à monter très fort en Angleterre. D'accord, donc Maritima sur les bases donc de Art, radio anglaise, on écoute. Et ça c'est le top horaire. On va s'aimer là. Voilà, donc ça c'est Maritima. Ça c'est Maritima adapté de Art, ouais. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire, si tu tentais qu'il y a quelque chose qui est plus compliqué à faire que l'autre ? Quel format ? Est-ce que c'est ce qu'on a pu entendre par exemple pour la Radio Plus ou est-ce ce qu'on vient d'entendre pour Maritima ? J'ai envie de te dire que non, il n'y a rien de plus. Rien de plus compliqué non, que ça. Non, c'est. Moi ça m'amuse autant de faire un package adulte qu'un package plutôt jeune, rythmé. J'allais te demander ce que tu préférais, ça t'amuse tout autant de faire ça m'amuse, ouais. Il y a quelques années, je t'aurais dit.
Je t'aurais dit quand ça tape fort. Ouais. Maintenant, c'est je m'amuse autant. Moi, je me lève le matin, je fais de la radio, je vais en studio, je fais des jingles et c'est cool, quoi. Ça fait longtemps que tu travailles dans la production de jingles maintenant. Ça fait quelques années. Oui. Est-ce que tu apprends encore? Tu découvres encore, tu te surprends encore et tu travailles encore. Oui, j'apprends toujours avec les en studio quand on fait les séances d'enregistrement. J'apprends avec les compositeurs qui m'apprennent. Moi, je suis pas musicien à la base. Mm-hmm. En fait, j'entends, je comprends ce qui se passe. Ouais. Mais je suis pas musicien et en fait, à force de côtoyer des gens qui composent, quand on fait des séances d'enregistrement, on est toujours deux. Tu comprends de mieux en mieux. Je comprends de mieux en mieux comment ça se passe, mais j'apprends. Oui, j'apprends tous les jours, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a justement aussi des périodes dans la vie d'un producteur avec des tendances X ou Y? En ce moment, je suis plus sur ce type de sonorité parce que j'aime ça, parce que je me sens plus à l'aise avec ça. Et donc, du coup, est-ce que ça se ressent sur ces productions? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt pour suivre la tendance musicale qui est plus dans l'air du temps qu'on adapte les sonorités? En fait, moi, j'adapte. On va suivre la tendance. En fait, on sait que il y a eu beaucoup de demandes ces derniers temps. Ça a commencé un petit peu l'année dernière, surtout dans les pays en Angleterre, par exemple, des radios qui nous ont demandé de mélanger de l'habillage parlé avec de l'habillage chanté, ouais. De faire un espèce de compromis un peu entre les c'est deux. Pas toujours évident, des ça, trucs hein. Très rapides. C'est ouais. Pas évident, mais on a fait un concept chez Real World qu'on a appelé Fusion, ouais, bah, qui fusionne en fait un peu les deux. J'ai amené un petit exemple. On a un exemple, ouais. Ludo, l'exemple. Voilà, ouais. C'est des trucs très très courts. Ouais, mais la voix s'intègre quand même à la mélodie d'une certaine façon. Là il y a du parler, du chanter. Ouais. C'est un petit mélange des deux en fait. Ils voulaient des trucs très 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 courts. Vraiment des. On peut le réécouter une fois. Donc ça c'est la tendance, c'est ce qui arrive là maintenant. Là c'est ce qui arrive. On a commencé à nous demander ça l'année dernière, ça arrive. Ça c'est fait pour l'Angleterre et donc on a ça sera à l'antenne. C'est pas à l'antenne encore, c'est à l'antenne dans deux jours. Ah ça donc c'est qu'on l'a entendu avant les auditeurs anglais de cette radio. Ouais. D'accord. Et alors donc potentiellement on peut imaginer que d'ici peu en France également on va avoir ce type J'espère qu'après-demain ça sera à l'antenne d'une radio. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué? On sait qu'il y a des radios. Bon, il y a des radios qui ont des slogans assez simples à chanter ou à dire. Il y a des radios qui ont des slogans un peu plus particuliers. On donne pas de nom et on donne pas de slogan. Qui ont des, pardon ? Des slogans un petit peu plus particuliers, ah oui, un petit oui. peu longs, oui. un petit peu ou avec des mots assez inhabituels. Oui. T'as déjà été confronté, sans donner de nom et sans donner encore une fois de slogan, mais t'as déjà été confronté à, on te demande de chanter quelque chose de totalement improbable qui est très difficile à... Alors, pas improbable, mais en fait, des slogans qui... Et alors, j'ai deux exemples il n'y a pas très longtemps, je peux donner les noms. Je vais donner les noms. J'ai fait une radio qui s'appelle Mona FM. Oui, oui, non. Le slogan « Elle vous en donne plus ». Très bien en parler, mais en chanter, ça sonne pas une seconde, quoi. Elle vous en donne plus. Alors, on était avec, heureusement, hein, parce qu'on était avec le patron de la radio, avec Rudy, qui est sur le salon quelque part. Et il a pas aimé du tout quand on a chanté le Elle vous en donne plus. Il y a des choses qui sont un peu bizarres à chanter. Bon. Il faut savoir, il faut savoir être raisonnable. On a fait un compromis, et ce compromis, sans aller jusqu'à l'extrême de ce qu'on vient d'entendre avec Kiss. Bah on a mis, alors je fais la voix de Mona FM. C'est toi qui fais stocker la voix antenne également, d'accord. On a enlevé la partie chantée qu'on devait faire, j'ai fait la voix et on a rajouté les plus chantés. Puis on a fait un petit hybride en fait de jingle. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, y a un autre exemple ou pas, l'autre exemple, c'est on a fait. Alors c'est pas à l'antenne encore. On a fait des séances il y a 15 jours pour vibration, voltage. Oui. Et pareil, ils avaient des slogans qui ne se chantent pas tellement. Mais en fait, quand on les a chantés, ça sonnait tout de suite. Ah ouais, ouais. Ah là, c'est le contre-exemple en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'origine, vous ne le sentiez pas forcément et puis non, on ne sentait pas du tout. Ils m'avaient dit, on ne fait surtout pas de slogan chanté parce que ça ne va pas le faire du tout. Ouais. On le fait en parler, ça va très bien. Pour Voltage, je crois, il me semble, c'est des tubes les hits d'hier, les tubes d'aujourd'hui. Et il a dit, chanter, ça va être une horreur. Et puis finalement, on a essayé, on l'a placé. Puis, résultat à l'antenne d'ici. Le temps de faire les jingles d'ici fin février. Voilà, rendez-vous fin février pour constater effectivement que ça chante très très bien. Je pense que c'est plutôt les tubes d'hier et les hits d'aujourd'hui. Oui, peut-être. À mon avis.
Merci David. Mais je vous David en prie. Tartar, merci Real beaucoup. World. Où est-ce qu'on te voit là jusqu'à la fin du salon? Un peu partout. Je te vois surtout oui, dans les allées, partout, moi en fait. Hein. Moi, je se promène, promène David. Et puis, voilà, ouais. Bon, bah, essayez de le capter. Voilà, vous l'avez bien vu. Hop, photographie. Et maintenant, vous pourrez le retrouver sur les allées du salon. Merci, merci. Encore David et bonne merci fin beaucoup de salon. Vous écoutez la radio du salon de la radio. You're listening to the radio of the European Radio Show in partnership with Broadcast Associates, Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast, and Vision Air.